identitaire de l'ère Mahri, célébrée les 15 août de chaque année, continue d'occuper une place prépondérante tant sur le plan économique, social et culturel du Bénin. Transmise donc de génération en génération, l'organisation de cette fête identitaire en dehors de Savalou s'écarte sans nul doute de sa valeur culturelle et culturelle, énergétique et spirituelle. Les précisions avec Juliette Baguidi, alias Botéronde, présidente de l'association des enfants Mahri du Bénin. La célébration de la fête identitaire de l'ère culturelle Mahri, l'IAM étant au cœur des rituels, ne serait être célébré en dehors de Savalou. Savalou Rontomé, parce que n'incluant pas les valeurs culturelles et cultuelles que cela comporte. Toute autre célébration à des fins commerciales en dehors de Savalou est considérée comme une fête sans valeur aucune et qui n'a aucune connotation avec la 15 août, pourtant célébrée depuis bien des lustres. Chers frères et sœurs, Mahri de Savalou et de la diaspora, et Mahri en général, sachez que la valeur culturelle, la valeur énergétique et la valeur spirituelle de cette fête identitaire sont à Savalou Rontomé. Je voudrais, par ce canal, inviter les 10 fils et filles Mahri de Savalou, Rontomé, à venir massivement pour fêter la fête identitaire de nos aïeux dans la ville de Soha. Merci, merci, tout en sachant que vous viendrez nombreux. Prenons les hommes sur les autres. Ne dispersons pas notre fête de la 15 août. Merci beaucoup, merci de votre compréhension. Bonne fête à tous. Mon roi Dada Ganyou, Kanfon Tofa Baguidi 15. Je m'incline. Nous allons venir massivement fêter avec toi, Dada. Après s'être prosterné devant son roi, c'est le tour du président des jeunes de l'UMB de rappeler. La fête de 15 août, la fête de l'IAM, est une fête purement savaloise. Une fête organisée en dehors de Savalou, dans la période du 15 août, n'est pas une fête de l'IAM, ni une fête de l'IAM Pélé, ni fête de 15 août. C'est des organisations personnelles. Parce que la fête de 15 août existait depuis des décennies, depuis nos aïeux. Donc, la fête a un objectif. Nos aïeux ont mis en place des objectifs et si quelqu'un veut fêter en dehors de Savalou, ça veut dire qu'il va en l'encontre des objectifs de nos aïeux. Ne suivez pas ceux qui ne sont pas des dignes fils de Savalou, ceux qui ne sont pas des dignes filles Mahri. Parce que en tant que dignes fils Mahri, je ne peux jamais diviser le Mahri ni le Savalou. Si tu divises Savalou, si tu organises la fête à Cotonou, ça veut dire que tu divises. Tu ne vas pas, tu ne suis pas les objectifs mis en place par nos aïeux. Au Savalou, Soha, Tome, nous, Soukwa, et nous, le Sojaga. Au Savalou, Tome, nous, Soukwa, nous, le Sojaga.